à crescendo, tu vois, un peu tous les toits, c'est comme ça en fait. Plus tu t'avances de la sortie, plus... C'est dur. Et combien il y a de toits dans ta voix là? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Je pense que c'est une technique un peu à part, tu vois, peut-être. Je veux dire, faut que ça te rentre dans la tête. De grimper avec les pieds en l'air comme ça. Je veux dire, quand t'en as jamais fait, ça te paraît vraiment bizarre et t'hésites à le faire. Ça fait que tu restes pendu par tes bras. Tu dois pas être engageant, quoi. Ensuite, t'as le deuxième toit. Tu t'allonges complètement dessous. Et là, hop, tu gicles sur tes prises de main. Ensuite, t'as le troisième, le quatrième. C'est une grotte. Et ça fait un resserrement au plafond, comme ça, tu vois. Alors au début, tu démarres en écart, après la grotte s'évase un peu. Et pour pouvoir te tenir, tu enfiles tes jambes dans le resserrement de la grotte, et tu les écartes comme ça, tu vois. Et la sortie, c'est des prises rondes à droite. Et ensuite, tu as le toit des tortues, quoi. Et ça, c'est le plus dur de tous. Il y a... À un moment donné, t'es pendu sur des prises de doigts et sur un vrillage de pieds, ta chaussure à tiers. Hein. C'est juste. Quoi. À un moment donné, tu dois lâcher une de ces prises de doigts pour ramener l'autre main à côté, tu vois. Et là, t'es tout sur ton vrillage de pieds et ça tient juste, juste. Il y a des fois, ça lâche. Ouais, tu m'expliqueras un peu dans les passages, hein, parce que... Ouais, de toute façon. On va voir, de toute façon. On aura le temps de voir. Ouais, on va te couper, hein.
ciboulette de vide. Une ciboulette de chat. Et je me demande si t'es au coin d'un feu. Et je me demande. Si tu fais nuit, le soir quand tu t'endors. Trêve de plaisanterie, les choses se corsent. Nom de Dieu. Je suis sûr qu'un jour ce verrou de pied va lâcher à cause du rocher. Et ce jour-là, ça sera très dur pour moi. Joe, le roi du mousquetonnage fou, a encore frappé. Il y a même l'élastique se déforme, c'est le cataclysme. Bon, vas-y, Patrick. Au pas.
foiré. Les complexes qu'elle m'a laissé tomber. Croisé avant. Allez, on va tenter le croisé. Aucun. Je te dis que ça. Si ma mère elle me voit, elle me dit rentre à la maison. On le met là. Ça va, c'est sorti. Quoi le goût là? Ok, vas-y, avance. Vraiment piteux ces écailles. Ça a pété. Ça va. Changer de coin. C'est vraiment délirant. Hein. Ouais. C'est vraiment délirant. C'est... Allez, je quitte ma chère grotte. Ok. Une fois qu'on est ici, on n'a plus trop envie de partir. C'est ça le con. Et c'est parti pour le tour. Là tu te mets un écart. C'est bon là-haut là? Ouais. Ça va à peu près. Parce qu'il y a une mieux dans le curieux ce passage. Tu regardes là comme t'es vachement bien coincé. Ouais. Ça a de la gueule. Hein.
Tire pas, tire pas. Ne tire pas. Du mou. Du mou, du mou. Ouais, c'est un peu humide dans le coin quand même là. Il a plu ou quoi? Préparation de la manille. Mousqueton prêt à dégainer. Que même pas les Américains ils ont dégainé aussi vite. Putain, je suis trempé. Et ouais, ça se sent. Ok, allez, on voit, donne bien le mou. T'as mal passé ta... Ça fait rien, c'est trop tard. Qu'est-ce que je te fais là? Oh putain, d'accord. Ça a l'air bizarre ce que je t'ai fait là quand même. C'est qui va chier dans ça? C'est Jojo. C'est 5 au-dessus. Sorti. Ça va bien?
Ok, tout net. Pas de mots. Ok. Ah, n'avale pas trop. Moi, vous ici? Putain de toi. Oh, c'est dit que ça. Hein. J'allais plaire les baskets là. C'est un gros mot ça, putain de toi, hein? Eh non! Ah, même si c'est un petit toit, hein? Très bien, Dieu, Gédéon, sort dans les deux bocs qu'on est contre. Attends, attends, attends! Je défile le. Ouais, j'ai pas envie de faire la longueur en marche arrière. Je vais arracher le relais quand même! Allez, on va la sauter. Ouais. Je sais pas ce qu'on va bouffer ce soir, mais. Ça va être bon. Je te dis que ça va chauffer les marmites.